responsable dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire qui signe un protocole accord avec le ministre de Justice et Sécurité publique là, et puis le commissariat des Nations Unies de Amoun jeudi 19 septembre. Signature protocole ça rentré dans le cadre renforcement système judiciaire en Haïti dans le contexte de lutte qui a mené contre le grand banditisme dans le pays là, d'après le ministre de Justice et Sécurité publique là, Maître Carlos Hercule. Représentant au commissariat Douamounan expliqué, si un tu protocole ça répond à exigence moment. Il rappelle nécessité pour toute entité concernée mettre tête ensemble contre toute forme crime dans le pays, surtout crime financier. Nous avons invité nous suivre un extrait dans le micro Midra Emilias avec Fleury Jean. Aussi, le gouvernement de transition issu de l'accord du 3 avril 2024 a-t-elle pour mission, entre autres, de rétablir les conditions de sécurité publique, assainir les institutions de l'État et mettre en œuvre les réformes institutionnelles nécessaires, y compris en matière de lutte contre la corruption et l'impunité. Là, je vous dis rapidement, le dénombrement réalisé par les ressources humaines a permis d'identifier 290 personnes qui sont encore dans le système alors que en réalité elles n'y sont pas. Ça vous donne une idée. La note verbale du Royaume-Uni transmise au ministère des Affaires étrangères soumettant la liste des sanctionnés comme le ministère de la Justice l'avait sollicité. Donc incessamment, cette liste sera transmise au commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince pour les suites de droit. Sa mise en œuvre permettra au système judiciaire d'une part d'être outillé pour adresser les nouvelles formes de criminalité auxquelles fait face la société haïtienne et d'autre part d'être à même de jouer sa partition dans la lutte sans merci pour la police nationale et les forces armées d'Haïti, aidées par la force multinationale d'appui à la sécurité sont en train de mener contre les sécurités et le grand banditisme. Le protocole d'entente prévoit en effet l'établissement au niveau de la juridiction de Port-au-Prince de deux pôles judiciaires spécialisés en vue de soutenir la lutte contre la criminalité financière, y compris les crimes de corruption et les crimes de masse, incluant les violences sexuelles, impliquant notamment les grands criminels. Il s'agit en fait du début de l'introduction opportune en Haïti d'un cadre juridique institutionnel adapté à l'évolution de la société haïtienne et aux nouvelles infractions qui s'y installent. Les crimes financiers et les crimes de masse sont commis par des individus ou des groupes d'individus au nom d'intérêts particuliers et criminels. Ces individus se pensent intouchables et pensent qu'on ne peut pas les attraper. Comme le disait le père de l'indépendance haïtienne, Jean-Jacques Dessalines, plumez la poule, mais évitez qu'elle crie. Mais aujourd'hui, la poule n'en peut plus. Et la poule crie. Elle crie que l'impunité doit cesser.